Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du compteur d'hectares sur un Valtra G5. Il vous suffit d'appuyer sur la flèche droite pour arriver sur le menu de paramétrage du compteur d'hectares. Vous avez donc en haut le réglage du déclencheur du compteur d'hectares. Donc là ici, il ne s'enclenchera jamais. Je peux le faire déclencher quand je mettrai la marche avant, la marche arrière, ou alors en continu. Lorsque je mettrai le plus sur mon distributeur hydraulique, lorsque j'aurai mon relevage abaissé, ou alors quand ma prise 3 plots sera enclenchée. Ici je suis avec un semoir, alors je vais mettre quand mon relevage sera abaissé. Je règle ici la largeur de mon outil. Pour ma part, ça sera 3 mètres. Je peux donc maintenant aller travailler, les hectares seront comptabilisés. Lorsque vous êtes au travail, vous avez ici la possibilité de modifier cet affichage afin de voir vos différents compteurs. A l'aide de la flèche haute, vous pouvez voir les litres par hectare, les hectares par heure, le litrage par heure, ainsi que le nombre d'hectares déjà travaillés. Lorsque je appuie sur la flèche droite, vous allez avoir ici ces mêmes informations. Et quand je retourne sur le menu de paramétrage des compteurs, vous allez avoir ici la distance parcourue lorsque votre élément déclencheur est engagé. Et vous pouvez tout en bas de l'écran remettre à zéro tous les compteurs.